Salut à toutes les belles et marcelines de France, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, je vais très bien. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, je vais vous apprendre à faire le bruitage ou la voix de Donald, tout simplement. Et oui, alors, sur mon ancienne chaîne, je l'avais déjà fait. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont aimé et il y en a beaucoup qui m'ont dit « Oui, on comprend pas parce qu'il y a le rire derrière, c'est nul, tout ça. » Alors. Cette fois, il n'y aura pas de rire, je ne vais pas mettre de montage ou quoi, ça va être normal. Voilà, tout simplement. Alors, pour faire la voix de Donald, il y a une chose à savoir, c'est de faire des bruits comme des... Parce que Donald fait souvent des... Quand il parle, par exemple, quand il parle, des fois, il fait... Voilà, il fait souvent... Voilà. C'est déjà la première chose à apprendre. Ensuite, pour faire ça, alors il faut prendre une grande aspiration et c'est comme si vous faisiez... Sauf que là, c'est... Il faut que... Comment ? Vous prenez une grande aspiration et directement... Vous voyez ? Directement avec votre bouche, il faut que vous fassiez un bruit assez bizarre, comme ça par exemple. Et si vous arrivez à faire ça, bah vous faites... Voilà, tout simplement. Ensuite, pour parler. Alors là, pour parler, c'est assez compliqué. Parce que Donald, quand il parle, des fois, on ne comprend pas du tout ce qu'il dit. C'est vrai, hein. Et quand il parle, il fait souvent... Bon là, j'arrive pas à très bien le faire, mais voilà, c'est souvent ça. Alors pour parler, par exemple, pour dire bonjour, vous faites... Comme si vous voulez dire le « be », mais avec le « en même temps, ça fait... Vous entendez? Bon, là, c'est assez mal fait, hein, je l'avoue, parce que c'est assez compliqué à faire. Mais la chose la plus importante à faire quand on fait un Donald, c'est le... Alors... Quand on fait ça, attention. Toutefois, prenez une grande aspiration. Avalez votre salive. Parce que si vous avez une personne en face de vous et puis que vous fassiez genre... comme ça, il y a la salive, il y a tous les postillons qui vont vers elle ou vers lui, il va pas apprécier. Alors, première chose pour faire le... Prenez une grande aspiration et faites pivoter votre tête, mais très vite, comme ça. Et surtout, quand vous faites ça, vous faites... Vous entendez ? Qui fait ? Voilà, je le refais. Et pour faire la suite, voilà. Alors, ne le faites pas trop vite au début, je vous le conseille, parce que à un moment en fait que vous faites comme ça très vite, en fait, le cerveau se balance dans votre cervelle et ça, à un moment vous avez la tête un peu qui tourne, vous voyez. Alors faites-le doucement, première chose. Mais quand vous faites ça, soyez à quelques centimètres de votre interlocuteur parce que vous risquez de faire... Mais avec le poustillon et il n'y a pas du tout apprécié. Alors, pour faire cela, comme je vous l'ai dit, faites-le. Vous voyez ? Il faut que votre bouche fasse... Avec bien sûr vos cordes vocales. Vous entendez? Et ensuite, vous faites. Tout doucement, hein. D'abord. Vous gardez toujours le. Et quand vous faites. Et quand vous lavez le. Et ben vous tournez votre tête de gauche à droite et ça fait. Voilà, tout simplement. J'espère que ce tuto à apprendre à faire la voix de Donald vous a plu. J'espère que ça vous a appris des choses. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Merci
bien sûr, de vous abonner, hein. Merci du fond du cœur, parce que c'est très difficile pour moi de lancer une nouvelle chaîne. Voilà quoi, avec tout ce que j'ai perdu, ça fait mal au cul, comme je dis. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas que la magie Disney soit en vous à jamais. Voilà, méditez toujours là-dessus, et moi je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde, salut, bisous, et grosse dédicace à tous ceux qui s'abonnent. Merci, ciao!